Non, moi, je chill vraiment, c'est important, vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait un calcul très simple, vraiment très simple. Je me dis là, tu vois, on est là, on est libre, et c'est bien, belle activité, beau projet. Mais je me dis, bon, on vit quand même dans un monde où du jour au lendemain, c'est fini. Je me dis, moi, en tant que Français, du jour au lendemain, j'allume ma télé, il y a Emmanuel Macron qui apparaît. Française, Français, ça va pas vous plaire. Non, ben, je viens de faire une nouvelle réunion avec le staff. À partir de maintenant, pour aller au restaurant, c'est minimum 44 doses de Pfizer. Donc j'y ai. Avant que ça arrive, moi, j'ai un plan béton, je me ruine la gueule, OK? Alcool, stupéfiant, cocaïne, marijuana, je veux tout, d'accord? Dans ma tête, il y a un noir qui est en mode « Let's go, let's go, let's go ». Au rythme où je suis lancé, tu vas me retrouver mort dans 2 semaines dans le fossé avec une capote dans le cul, comme ça. Je te jure, il y aurait écrit ici « Mort comme une merde, mais mort en homme libre ». Avec tatou au-dessus du cul, vous me briserez pas, vraiment. Ah ouais, écoute, moi, ils m'ont enfermé trop longtemps, vraiment. Le confinement a duré trop longtemps pour moi et ils auraient pas dû parce que je suis venu avec des intentions nouvelles, vraiment. Ah, ils viennent de lâcher un psychopathe dans les rues, je te jure. J'ai un mental d'extolar, là, vraiment. Il va se passer plein de trucs. J'ai une envie de vivre, moi. Ah, je suis... Dans la fois, j'étais en terrasse, ivre mort. C'est mon niveau de base, hein, je te le dis, hein, voilà. Habitue-toi, vraiment. J'ai pris des décisions claires, je vais au bout du jeu, vraiment, hein. J'étais en terrasse ivre mort et là il y a une belle dame qui passe. Quand je dis une belle dame, vraiment c'est. Acheter en mode let's go, let's go, let's go. Même pas je lui ai dit, puis-je vous offrir un verre si cela vous convient? Non, viens là. Je me suis dit, putain, on abuse un peu, oui, j'avoue. Bon, sinon ça va, sinon ça va. Non, non, ça va, je suis content parce qu'on est libre. On est libre, c'est bien. Belle activité, beau projet. Parce que depuis qu'on est libre, avec mes amis, on a repris là, les réunions à plusieurs là. Bon, on n'a pas vraiment arrêté, nous, je te le dis. Hein. Nous, on a vécu un confinement de cow-boy. Nous, durant le confinement, on a couché avec des femmes pour motif familial impérieux. Donc, c'est nous les bâtards qui avons lancé les trois vagues, la vie de ma mère. C'est nous les connards qui sortions à minuit, lampe torche sur le front. Pam, 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 pam. La police, vous allez où? Baiser, voir ma mère. Qui est vraiment très, très malade. C'est pourquoi les capotes, je suis très proche de ma mère, vraiment. Excusez-moi, c'est le confinement, ça m'a brisé, vraiment. Sinon ça va, sinon ça va. Je suis content parce qu'on est libre. On est libre. Belle activité, beau projet. Non, non, c'est bien. Parce que depuis qu'on est libre avec mes potes, on est de plus en plus créatifs, tu sais. On renouvelle la vie, on tente d'être inventif pour plus kiffer, tu vois. Là, on est en plein hiver, mais nous, on est restés bloqués depuis des semaines sur une activité formidable. Je sais pas si vous connaissez le barbecue. Oh, belle activité, ça. Hein. Alors moi, j'ai grillé beaucoup de trucs, hein. Je vous le dis, j'ai tout mis dans ma bouche, une vraie petite pute, la vie de ma mère. Je te jure, celle-là sur le grill, saumon entre côtes, j'en avais rien à foutre de la misère du monde, j'ai mangé comme un facochère, vraiment. Ah oui, pour vous dire à quel point il y a des fois, durant les repas, je faisais une pause parce que j'étais plein, tu vois. Je regardais une vidéo de Somalien pour la motivation et je rebouffais comme un fils de pute juste derrière. Rien à foutre, j'étais avec ma gambasse devant la vidéo et ben dis donc, c'est pas évident leur affaire, hein. Je peux faire cette blague, mon truc, ça va. J'ai l'immunité colorée. Le totem chocolat, motherfucker. Excusez-moi, je suis allé trop loin. C'est le confinement, ça m'a brisé. Mais sinon ça va. Non, ça va. Je suis content. Parce qu'on est libre. Belle activité, beau projet. Non, non, c'est bien. Parce que depuis qu'on est libre, on a une nouvelle envie de vivre avec mes amis. On a envie, quoi, tu vois, on est chaud, quoi. J'ai l'impression que rien ne peut nous arriver, vraiment. À part la dernière fois, il s'est passé un truc. Je suis venu vous en parler parce que ça m'a brisé. Ah ouais, un mec qui est venu à notre soirée qui a niqué l'ambiance avec une efficacité redoutable, vraiment. Un génie du mal, on peut le dire. Je savais pas qu'il restait encore après le confinement, dans le monde d'après. Un vegan. Ça ne choque que moi. On repart sur les mêmes conneries. On peut faire un débrief, pandémie mondiale, tout le monde a failli crever. Il croit que c'est maintenant que je vais arrêter les chicken wings, moi. Mauvais timing, tonton, hein. Dans ma tête, il y a un cochon qui tourne comme ça en permanence. La kémie et les soja. Écoute-moi bien, avant j'étais un viandard, maintenant je suis le prédateur ultime. Je le sais, je le sens, c'est mon destin, il y a des signes forts, ok? J'ai des potes qui ont une ferme, quand je vais là-bas le week-end pour me reposer un peu, les chèvres me regardent chelou maintenant.
On dirait qu'elles sentent, tu vois, elles sont là, j'y vois là. C'est le respect qu'on me doit dans la savane, bande de petites putes. Et pourquoi il est venu à la soirée, ce vegan, là? J'ai pas compris. Parce que, bon, on est quand même 10 noirs à avoir créé l'événement. J'ai le sentiment qu'on n'est pas connu pour notre consommation incroyable de laitue, quoi, voilà. Non, non, mais je te renseigne, OK? Je te file des infos clés en main ce soir. On a créé un groupe WhatsApp nommé Grillade. Bon, là, on est sur un parcours fléché, là, tu crois pas? Il croyait qu'il allait se passer quoi, lui? Une fête aux champignons, couillon, va. Moi, j'avais fait un barbecue à l'africaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la marinade 48 heures avant, parce que nous, on déconne pas avec la marinade. On aime que la viande soit ambiancée, quoi, hein? Tu connais. Bon, j'arrive sur les lieux 10h02, pastis numéro 1, 10h03. À 15h, j'étais bouilli, OK? C'est le stade après bourré. J'étais en connexion Wi-Fi direct avec Moïse, d'accord? Alors, le coup de la mer en deux, info ou un tox? T'as l'autre qui vient qui dit « Attends, laisse-moi d'abord griller mon tofu, écoute-moi bien. Ton tofu, je vais le ranger à un endroit, tu veux pas qu'on le range, la vie de ma mère. Tu niques l'ambiance, tu sais quoi, on va griller deux cochons de plus, voilà. Non, on les mange pas, juste on les grille pour le plaisir, qu'est-ce que tu vas faire? Il vous laisse taper, je dis « Garçon, tu manges du tofu et moi de la viande, qui va gagner à ton avis ?» Il s'appelait Patrick, ce connard, il a ruiné ma soirée barbecue, je vous jure. Ce soir, dans la salle, s'il y a un Patrick qui l'aille se faire enculer. Je m'en bats les couilles, moi. Il paye pas le loyer ici, d'accord? Attends, 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 attends. À partir de maintenant, dans la rue, je vais enculer des Patrick au hasard. Je te jure, je vais le faire, hein. Je blague pas. J'ai un plan béton. Je serai planqué derrière des lampadaires comme ça à l'affût. Je guetterai les discussions des humains, tu vois? Dès que quelqu'un dira dans un groupe que je ne connais pas, dis donc, Patrick, t'es pénible. Je surgirai de l'ombre et pas. Ça ira vite, hein. Il y aura des reportages sur moi à la télévision. Messieurs, dames, flash spécial. Un jeune noir sévit dans les rues du pays et encule des Français à l'aveuglette. Si vous vous appelez, Patrick, nous vous demandons de respecter le couvre-feu et de vous mettre un masque sur le cul. Excusez-moi. Je suis allé trop loin, je suis allé trop loin. C'est le confinement, ça m'a brisé. J'aime ressaisir, j'aime ressaisir. Mais il m'a fait chier, ce Patrick, aussi. Mais ouais, mais il est dans ma tête, ce connard, maintenant, tu vois. Ah, il m'a cassé les couilles, il m'a choisi, j'étais l'élu, quoi, vraiment. Il m'a fait chier toute la soirée, quoi, parce que lui, vegan et écolo. Dash, deux en un, vraiment. J'ai récupéré le numéro 10 de l'équipe, je te le dis. Il était là, non, mais l'écologiste, là. Ouais, monsieur, ouais. Non, parce que le truc, c'est l'équipe. Ouais, monsieur, ouais. C'est sûr, ouais. Non, parce que les autres problèmes. Ouais, monsieur, ouais. C'est sûr, c'est évident. Bien sûr, ouais. Je vais vous donner mon avis sur l'écologie, du coup. Ça va aller vite, hein, je te le dis. Faut être à l'affût de l'information, vraiment. Ça fuse, hein. Trois mots, bas les couilles, vraiment, c'est... Non, je dis pas ça. Putain, j'ai chaud. Vous avez chaud, vous? J'ai l'impression que je suis un kebab, la vie de ma mère. Faut que j'arrête le McDo, je te jure. Non, je suis allé un peu loin sur l'écologie, donc je vais développer. Non, je ne peux pas rester comme ça, Non, l'écologie, ça va? Belle activité, beau projet. Non, mais ça va, ils ont loué des beaux locaux. Oh, ils ont monté une belle équipe. Il y a un joli projet marketing, des beaux slogans, mais ça m'a pas... J'ai pas été saisi, tu vois, par leur communication. J'ai pas été happé par la communication, vraiment. Parce que chez moi, des fois, je fais couler l'eau, pas forcément pour l'utiliser. Ah non, moi je me dis, l'eau qui coule, c'est beau, donc... Et s'ils ont fait des fontaines, c'est bien qu'il y ait un délire artistique là-dedans, quelque part, hein. Et ouais, ce que je te dis, c'est insolent, mais c'est pas incohérent. Et même si le combat écolo est noble, je trouve que les arguments que le gouvernement emploie pour nous sensibiliser à l'écologie, ils sont éclatés au sol, quoi. Éclatés au sol, pour les plus vieux, ça veut dire nul. Parce que je vois qu'il y en a qui passeront pas à 2021, donc... Non, mais je te renseigne, OK. L'argument principal, c'est oui, si on continue comme ça, dans 70 ans, il y aura plus de planète. Oui, mais dans 70 ans, moi, personnellement, j'ai fait le calcul, ça passe, hein. Donc je m'en bats les couilles, en fait, tonton. Ils sont là, oui, mais nos enfants, en tapant ça à leur avenir, chacun sa merde, mon frère. Papa, il a fait son chemin, fiston, il fera son chemin. J'ai déjà niqué sa mère, c'est pas mal. Excusez-moi.
Je suis allé trop loin. C'est le confinement, ça m'a brisé. Je vais partir. Bonne fin de soirée, Montreux. Merci beaucoup.